Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour inaugurer une nouvelle série sur Heroes of the Storm, HOT pour les intimes. C'est un jeu auquel je joue depuis 2-3 semaines environ, sur les conseils de Dim qui m'a dit c'est un free-to-play, t'as rien à perdre. Et effectivement, j'y ai rien perdu parce que je me suis pas mal amusé. C'est un style de jeu, enfin les MOBA qui m'attiraient pas spécialement jusque-là, donc un petit peu par hasard je me suis mis dedans. Et j'ai bien aimé, je trouve que c'est assez fun, c'est tactique. Donc cette vidéo, cette série de vidéos s'adresse à tous ceux qui connaissent pas trop et qui ont envie de voir à quoi ça ressemble. Et puis peut-être au fur et à mesure, si le skill y est, je pourrais vous offrir des parties de plus en plus intéressantes. Je vais très rapidement détailler le jeu. Donc vous voyez, ça c'est tous les héros qui sont disponibles. Ceux que je possède moi, c'est Tyrande, Muradin, et puis qui est-ce que j'ai encore, Raynor. Donc je possède 3 héros, on peut les acheter avec la monnaie du jeu. Là vous voyez qu'Asmodan me coûterait environ 10 000, j'en ai 9395 actuellement, ou 10 euros. Donc autant vous dire que vous pouvez largement acquérir cette somme, ça prend du temps. Ça prend du temps, vous pouvez débloquer de l'argent en passant de niveau et puis en remplissant les quêtes journalières que vous trouvez ici. Par exemple, si j'en fais 8, j'aurai 800. Vous voyez vite que pour une quête journalière qui pop une fois par jour, on peut en avoir jusqu'à 3 en même temps, arriver jusqu'à 10 000, ça représente quand même pas mal de parties. Mais bon, en faisant augmenter de niveau vos différents personnages et en remplissant les quêtes, c'est à peu près faisable. N'hésitez pas à faire tourner aussi les différents types de personnages, les différentes classes. Bon, je ne l'ai pas trop fait encore, mais en passant des niveaux, ça vous fera gagner aussi de l'argent. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer rapidement? Vous pouvez vous entraîner, vous pouvez jouer contre l'IA avec des vrais joueurs ou pas, des parties rapides en joueurs, puis après les ligues héroïques. Il faut être au moins niveau 30 et surtout avoir 10 personnages possédés, donc je sais pas, ça doit représenter quelque chose comme 50 000 pièces d'or. Les ligues par équipe, c'est encore plus, c'est niveau 40, et puis 10 héros, j'en ai 3. Et puis on peut faire des parties personnalisées, vous voyez, ça c'est toutes les maps qui sont disponibles. Donc il y a une mise à jour depuis ce jour d'ailleurs, avec une nouvelle map qui sont les champs d'éternité, c'est celle qu'on va voir maintenant. Et puis il y a les autres, les tombes de la reine, tombes célestes, etc. etc. Vous verrez au fur et à mesure si on en fait. Donc, ce que je vais faire là, il y a une fonctionnalité qui est intéressante, c'est qu'on peut regarder les parties qui se sont déroulées. Et puis la toute dernière que j'ai fait aujourd'hui, là tout à l'heure, je me suis dit je vais la commenter en différé, parce que toutes les parties sont enregistrées. Et puis elle dure 28 minutes, comme ça je pourrais vous parler un tout petit peu plus du jeu. Et je vous propose qu'on commence tout de suite là maintenant. Go ! Alors, on lance. Je fais peut-être une petite coupure à ce moment-là pour vous éviter le temps de chargement qui peut être assez long parfois. Mais remarquez, quoi que je peux vous dire, que c'est le nom de cette petite extension mise à jour qui s'appelle l'Éternel Conflit. C'est allé très vite. Donc je vais pouvoir me déplacer sur la map ici. Là, on est avec Raynor qui est à distance. On a le balafré qui est du contact Seferer. Ici au début, maintenant il y a un gobelin qui apparaît. Si quelqu'un a la quête, si on le défonce avant le début de la partie, ça nous fera 100 or. Moi je suis là avec Asmodan, qui est un personnage que j'ai appris à connaître depuis quelques parties, que j'aime pas mal. C'est à distance, il fait pas mal de dégâts, il faut pas trop que je me mette dans la mêlée. Donc vous voyez qu'il y a cette map là, on a en face les autres joueurs. Qu'est-ce qu'il y a là? Du Muradin au contact. Ah, le mec au phénix, je me souviens même plus comment il s'appelle. Raynor qui est là-bas en haut. Il se répartit sur les 3 lignes, au milieu. En haut et en bas. Nous, on est parti à 3 en bas. Je ne sais pas si c'est une bonne tactique. Et puis, on se retrouve avec 3 en face. Alors, moi, j'ai aucun terme technique des MOBA, des tactiques. J'ai vu qu'en jouant bien ensemble, évidemment, c'est beaucoup plus rentable. Il n'y a pas de farm comme dans d'autres jeux, comme j'ai pu le lire, je connais pas vraiment, mais en gros, là, vous voyez que il y a un petit team fight là ensemble. Tout le monde prend des niveaux. Là, c'est les niveaux de l'équipe bleue, la mienne, et ça, c'est les niveaux de l'équipe rouge. On est à 1 partout actuellement, et puis on va progresser petit à petit pour développer des talents et des capacités. A savoir que quand on commence un personnage au niveau 1, on a... La plupart de ces capacités qui sont bridées, elles sont toutes débloquées au fur et à mesure jusqu'au niveau 4. Donc ne vous lancez pas dans des parties en PVP si vous n'avez pas un personnage qui est complètement débloqué. Ça sert pas à grand chose d'être bridé, alors c'est déjà assez compliqué comme ça quand on connaît pas le style. Donc là, il y a des creeps qui avancent. Moi, mon rôle, c'est de de faire avancer tout ce bordel en cochant ici. Alors là, j'en ai pris plein ma tête. Je vais prendre une fontaine de soins qui me redonne un peu de vie et un peu de mana, comme vous pouvez le voir là maintenant. Et moi, dans mes pouvoirs spéciaux, j'invoque des serviteurs
Et puis je balance à distance des énormes boulets de canon. Donc là-bas en haut, eux ils sont en train de taper dans le creep pour se faire de l'expérience. Vous voyez qu'ils sont au niveau 2, ils vont bientôt passer au niveau 3 des creeps. Et nous on est un tout petit peu en retard au niveau de la course au niveau. Dans toutes les maps, il y aura des objectifs qui seront très importants qui vont popper. Dans cette map-là, c'est tout nouveau, donc il y aura deux héros qui apparaissent là, maintenant, au moment où je vous en parle. Et le truc, si j'ai bien compris, c'est d'aller les soutenir pour ensuite pouvoir prendre le contrôle d'un de ceux-ci pour aller défoncer la map de l'autre. Donc nous, on est toujours en bas, en train de se maintenir et de défendre nos lignes. Et puis là, il y a les joueurs qui se regroupent gentiment. Dans notre équipe, on n'était pas très disciplinés, là. Ils ont pris l'avantage à ce moment-là, si je m'en souviens bien. Je vais dire qu'ils sont en train de taper dans notre... je sais pas comment on va dire ça, dans notre héros. Je sais pas comment ils les ont appelés. En tout cas, ici, nous, on a 4 forts, 2 victimes, et ils ont toujours leurs 4 forts, et ils ont fait 4 victimes, d'où l'avance au niveau du niveau. Donc, maintenant, les deux avatars ou les deux héros se mettent chacun d'un côté, et puis on doit les défendre, et si possible, aller buter l'autre. Donc là, moi, je suis revenu maintenant, je sais plus ce que j'étais parti faire. En tout cas, j'essaye de défendre Lidl. Là, je me dis que ce serait peut-être pas mal qu'on prenne les mercenaires, mais il a pas l'air de vouloir bouger. Peut-être c'est mieux de se concentrer sur la défense. Maintenant, on arrive à taper un petit peu leur Lidl. On a fait 4 victimes, ils en sont à 5. On est toujours en train de taper dans... enfin, je dis Lidl. Non, Lidl, c'est dans notre camp, le héros ou les champions. Je crois que c'est les champions qui représentent le combat éternel, qui est le thème de cette mise à jour. Là, je suis en train de balancer un de mes pouvoirs qui balance en continu un rayon d'énergie. Tant que je me fais pas étourdir ou quoi que ce soit, je peux balancer tout ce que j'ai en mana dessus. Ça peut être très utile si je reste bien à distance. Ce que j'ai enfin compris avec ces personnages de soutien à distance, c'est que c'est des soutiens à distance. Hein. Il faut pas les taper dans le tas. Oula, lui, il a pris très cher dans l'équipe. Là, ils sont à 6 victimes. On est à 4. On les rattrape tout juste au niveau des niveaux, mais ils en ont quasiment un d'avance. Une grosse bataille au niveau des deux champions. Donc il est quasiment à plus de la moitié de vie. Le nôtre, il est en dessous de moitié de vie et ils sont en train de réattaquer ici. Il y a Muradin qui essaye de se faire... c'est qui ça? C'est Sonia, ce ferreur. On a une Sonia dans notre équipe et une Sonia ennemie. Voilà, les deux Sonia sont là en même temps et elle va crever. Ça, c'est fait. Mais notre champion est en train de prendre relativement cher. C'est plus ou moins équilibré, mais ils ont toujours le petit avantage en niveau, en termes de victimes. Et puis là, ils vont probablement remporter le combat d'objectif. Voilà. On a notre Sonia à nous qui a 10% là, qui va respawn. Là, on est 4, on se regroupe pour protéger ce qui reste de notre champion. Muradin est tout seul. Moi, je ferais bien d'aller l'aider. Là, je suis un peu en retard. Je balance des serviteurs en plus pour gagner du temps, mais j'ai plus de mana. J'ai plus de mana, et dans ce jeu, même si on a la vie et si on a plus de mana, on n'est pas très très utile. C'est vraiment le team play qui est important. Là, je ferais mieux de pas trop m'avancer. Ça serait mourir pour rien. C'est marrant hein, de commenter un petit peu en différé. Je me rends un tout petit peu mieux compte de ce que je faisais ou pas. J'ai balancé mon rayon d'énergie sur la Sonia adverse. Oulala, notre champion est vraiment, vraiment pas du tout bien. Pendant ce temps, ouais, c'est vraiment un combat qui est au centre actuellement. Ah, voilà, ça a bougé. Donc maintenant, c'est notre champion qui est mort. C'est le héros de l'équipe rouge qui prend le dessus. Donc là, il se régénère. Voilà, nous, on fuit, là. Non, je suis pas mort. Je suis parti où, moi? Je suis parti me prendre un petit peu de vie. Et là, il y a le héros adverse qui apparaît ici. Donc ça, je ne le connaissais pas. Il est assez puissant. Voilà, là, il y a les différents serviteurs qui sont en train de ralentir. Et puis, il y a notre équipe qui s'est très vite regroupée pour lui taper dessus. C'est une constante. Hein. Une fois que quelqu'un a remporté l'objectif, il faut aller défendre parce qu'il y a une terreur, une horreur, enfin bref, un gros truc qui nous tombe dessus. Vous remarquerez aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il y a des camps de mercenaires qu'on peut choper en démontant les creeps, et ça donne des unités moyennement puissantes pour faire avancer la ligne et les couches. Il y a des personnages qui sont plus ou moins spécialisés dans la gestion des mercenaires, à vous de voir ceux qui sont utiles ou pas. Je connais pas encore bien tous les... ah là, il est en train de me courser Muradin, il m'a fait chier pendant tout le jeu. Il voulait tout le temps ma peau. Bon là, on a réussi à repousser l'assaut. Ok.
Ouais, alors là, ils sont en fuite. On est en train de repousser contre leur base. Voilà, moi je suis ici. En général, je suis derrière et puis je balance des serviteurs en plus. Et puis j'essaye de ralentir un petit peu tout ce beau monde et de buter des creeps avec les gros boulets de canon. Ah, c'est dommage, dans ce mode-là, je peux pas vous montrer les différents talents qui sont en ma possession. Je les connais peut-être pas assez bien pour vous les décrire. Mais au niveau de ma touche Q, j'ai les serviteurs que je balance. Au niveau de la W, c'est le gros boulet rouge que vous avez vu. Le E, c'est le rayon que vous voyez là maintenant, qui peut tirer en continu tant que j'ai de la mana. Ou du mana. En l'occurrence, je crois qu'on dit du mana. Voilà, ils ont repoussé de nouveau jusqu'ici. Là, moi je suis derrière, je suis à moitié mort. J'essaye de contenir ce que je peux en attendant les renforts. Là, il y a le balafré qui arrive. Le balafré qui est du guerrier au contact, si je dis pas de bêtises. Je le connais pas, j'ai jamais utilisé. Mais avec son crochet notamment, il peut vraiment nous rattraper des ennemis qui fuient et puis les remettre dans le groupe pour les démonter. Comme vous le voyez là, ça c'est super utile. Mais il a réussi à s'enfuir. Donc maintenant, il y a de nouveau les héros ou champions qui sont ici. Et eux, ils se sont tout de suite jetés sur le nôtre. Là, ça leur a été utile. Et ils vont taper directement sur notre héros. Donc, moi, là, je suis où ? Hein, je suis pas mort. Voilà. Oui, j'ai décidé de me faire le camp de mercenaires. J'ai pensé que c'était utile, mais je pense que je me suis trompé. J'ai même utilisé un héroïque pour ça. Je pense qu'il n'y a pas un excellent calcul. Et en attendant, il y a notre héros qui est de nouveau quasiment en dessous de 50% de vie. Moi, je suis tout seul à le défendre pour l'instant. Donc les autres arrivent et puis je me rends compte que mes mercenaires, ils sont partis par là. Ah là, il y a Muradin qui vient encore m'emmerder. Là, ils sont deux, ça devient chaud, il faut que je me casse. Voilà, je crois que j'ai le temps juste là de revenir là, mais Muradin, il m'en veut. Non, ça va. Voilà, il y a notre Muradin à nous qui arrive. Mais par contre, il y a notre champion qui de nouveau prend très cher. Mais là, hop, il est quasiment mort. L'autre Muradin, est-ce qu'il va réussir à le buter? Oui, c'était bon ça. Alors là, il y a un ultime de Raynor. C'est la frappe Hyperion qui avance et qui bombarde la zone. Ouh là là, il y a notre champion qui est quasiment mort. Mais là, on contre-attaque un petit peu de nulle part. Là, on revient tous plus ou moins full. C'est plutôt pas mal. Par contre, lui, il est quasiment mort. Voilà, là, je devrais utiliser... Voilà, ça, c'est mon rayon. Vous voyez, je le balance en continu. Il y a la vie qui descend du héros. Ah, gentiment, mais sûrement. Hein. Et vous voyez, ça consomme pas trop. J'ai pris un talent. Je pense là, il va me tirer dessus. J'aurais dû... Ouais, mais je peux pas me déplacer. Si je me déplace, ça diminue le rayon. Mais là, là, ça a permis, je pense de buter in extremis le héros de l'équipe adverse. C'était un joli move, je dois dire. On regarde vite les scores ici. Balafré, je suis... Non, je veux dire 46. Je suis celui qui fournit probablement le moins à l'équipe. Mais j'ai fait 11 victimes et 0 morts. Contrairement aux autres. Les portes des enfers. Non, je pars en courant. Oh, il m'a sauté dessus le salaud. On est en forme d'avatar de Muradin, ça fait mal. Ah, il me course, hein, le salaud. Ah, il me veut, mais il est quasiment... Il s'en fout, il veut crever. Voilà, par contre, il y a mon Muradin, celui de notre équipe, qui est venu là. Je pense pas que c'était une excellente chose qu'il a fait. Hein, parce que là, il va crever. Et bam, et voilà. Merci beaucoup. Alors là-bas, là, il y a notre champion qui est déjà mort. Ça nous a permis d'avancer quand même. À noter que les défenses de dans leur coin sont vraiment déjà bien ramassées. Il leur reste plus que deux tourelles ici. Nous, on a encore la ligne de défense avancée, on va dire. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un terme technique pour le décrire plus précisément. Ok, bon. Là, ils ont tout repoussé. Puis nous, là, on contre-attaque de nouveau. Ils se défendent comme ils peuvent en balançant l'ulti. On se rejoint tous par là. Moi, j'arrive là à la rescousse. On est à 3 contre 3. C'est bien, on se regroupe pour le coup. Voilà, ils sont tous là, ils sont regroupés devant la porte pour bénéficier de la défense. Là, je suis là, je balance des boulets pour buter du cri. C'est bien, un petit ulti de la part de Raylor, ça fait du bien. Là, il y a bientôt leur porte qui va lâcher. On va enfoncer une de leurs dernières portes ici.
c'est plutôt pas mal. Moi, je continue avec mes boulets par derrière. On se recule. Là, on a plus de creep pour nous soutenir. Oula, il y a le balafré chez nous qui va mourir. Non, non, c'est bon. Ouh, il y a Malfurion qui s'en met plein la tête. Ok. Mais non, mais le balafré là, ça, c'était très mal ce qu'il a fait. Hein. Il était à moitié mort. Il n'aurait pas dû retourner. Enfin, je fais des fois les mêmes conneries. Moi, là, je suis tout seul en train d'essayer de contenir la contre-attaque. C'est moyen efficace. Ce que je fais, je me retourne en général et puis je balle. Oula, il y a de nouveau Muradin qui m'en veut. Là, hop, je balance du serviteur pour ralentir tout ça en attendant que les autres arrivent. Parce qu'ils sont tous morts là, vous voyez. Ils sont à une dizaine de secondes. Alors, je fais ce que je peux. Ils sont pas non plus super puissants. Là, je suis au niveau 14. Mais dès qu'on arrive au niveau 20, ils arrivent à ralentir pas mal l'avancée des autres. Donc là, ça revient. Il y a Raynor qui est de retour. On a toujours un niveau de retard, hein, mais on a bien rattrapé. On est quasiment à 15, eux ils sont à peine au début du 15. On est full partout, au niveau de la vie en tout cas. Et c'est reparti pour un nouveau combat de héros. Ah bah il y a déjà notre Sonia qui est en train de faire du mal, enfin du mal, pas trop trop. Oh merde, il y a Raynor qui vient de se faire exploser par l'autre Raynor. On a une équipe assez similaire finalement, il y a du Muradin, du Raynor... qu'est-ce qu'il y avait encore de similaire? De Balafré, je crois qu'il y en a deux aussi. On diffère juste, bah moi, Asmodan d'un côté, là, je... Ouais, bon, c'est toujours le même dilemme, hein, quand je suis en train de balancer mon rayon de la mort. Ok. Donc, vous voyez, là, on est, je pense, presque à la moitié de la partie, hein. Il y en avait pour 28 minutes au total. On est à 12 minutes, les parties durent entre 15 et 30 minutes. Plutôt 25, d'une manière générale. Ah voilà, là ils sont mieux regroupés, mais ils ont un peu moins de vie. Ah ils ont mis une tourelle là, tiens ça je connaissais pas la tourelle, pas encore vu. Là le problème je suis full life mais j'ai plus de mana. Ah ce que je fais c'est que je vais aller prendre je pense voilà un peu à la fontaine. Je sais pas si c'est bien là, ouh là là il y en a deux chez nous qui sont morts, trois qui sont morts. Et là, je suis tout seul pour défendre. Tout seul pour défendre contre 4, même si on a 2 qui sont à moitié morts. Oh, il y a de nouveaux Muradin qui vient me saouler. Je balance mon ulti. C'est des petits grognards qui arrivent, là. Mais ils partent tous plus loin. Merde. Alors là, je suis derrière. Je me demande qu'est-ce que je vais foutre, là. J'ai le champion qui se fait démonter. Ouais, mais en même temps, aller choper Ticus là-bas, ça... Ouais, non, mais... Il est chiant Muradin avec ses étourdissements. Si vous chope bien, c'est des... Ah voilà. Le renfort arrive, mais là ils sont en train de balancer l'ulti. On va perdre le héros là, c'est pas possible. Ah, il balance toute la sauce dessus. Même si j'ai mes serviteurs là. Voilà, c'est fini pour notre héros. Il y a le leur qui arrive maintenant. Ah, il y a Muradin qui saute dans le tas chez nous. Ils s'échappent tous, mais ils sont 3, c'est très difficile contre 3. Ok, moi j'arrive maintenant. Et puis, bah, c'est là-bas que ça va se passer. Vous voyez, tout de suite, là, le héros, dès qu'il le contrôle. D'ailleurs, est-ce que c'est un joueur qui le contrôle ou c'est automatique? Je crois que c'est automatique. Hein. Voilà, vous avez vu comment il défonce la porte immédiatement. Donc là, on fait une petite contre-attaque, là. Est-ce qu'on arrive à leur faire du mal? Niveau 16 toujours, ils ont pris de l'avance. Ah, c'est mal pris. Ah, j'ai essayé de balancer un boulet in extremis, mais là, il faudrait que je parte. Hein. Faudrait part des RK, voilà. Les gaffe, ils sont deux. Bon. Là, il faudrait peut-être qu'on aille défendre chez nous, là. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, Muradin et moi. Voilà, il est quasiment mort. Là, vous voyez le petit signe pour montrer qu'il fallait aller défendre. Hop là, le crochet du balafré. Et puis là, je crois qu'on va se mettre à tous pocher sur cette lane. Ouh là, le bordel là. Comment je me suis mis là-dedans, moi. Je balance mon ulti au milieu de tout ça. Ouh, est-ce qu'on va réussir à la lutter? Mais vas-y, oh le bol. Oh le con. Elle s'envie. Vas-y. Oh, mais juste pas. Mais juste pas. Vas-y, tire. Oh merde. Par contre là je ferais bien de me... Ouh, est-ce que je pourrais me faire... Non, j'ai pas osé trop là. Ça c'est un piège à con.
Bon, tout est fini. J'ai mis ma monture qui en fait sont mes pieds enflammés. Là, ils sont deux à avancer tranquillou, là, face à un de mes forts. Alors du coup, moi, je décide de pousser la ligne du bas. Voilà, j'invoque des serviteurs en plus. Il y a des bonus que je donne à mes serviteurs. Un petit coup de canon dans le tas, en général, ça passe bien. Voilà. On a toujours un niveau de retard. Et là, ils sont toujours en train d'avancer là-bas. Je me dis qu'il y en a d'autres qui vont apparaître là maintenant. Ils vont être trois derrière. Histoire de retarder, de les occuper par là-bas pendant que les autres arrivent. Ouh, attention! Il y a Ticus qui arrive par derrière. Ouais. Oh, le bon ulti au bon moment. Ok, Sylvana, ça tape. Je pourrais balancer là mon rayon de la mort qui... Ouh, ils sont trois. Casse-toi, DRK. C'est fini pour moi. Je crois que c'était ma première mort. Hein. Alors, 12 000. Maintenant, je suis le deuxième en termes d'expérience fournie. J'ai fait 16 victimes et puis une seule mort. Donc, c'est plutôt un bon ratio. En même temps, je suis du soutien à distance. C'est à peu près comme ça, je pense, qu'il faut jouer. Et voilà, là, on est à 20 victimes contre 36 victimes. Ils nous ont fait 36 victimes, les mecs. Et là, ils ont deux niveaux d'avance. Non, plus qu'un niveau d'avance. C'est chaud, chaud les marrons, là. Hein. Chaud, chaud les marrons. Bon, ça, c'est leur héros. Là, c'est le nôtre. Et ils sont déjà les trois dessus, ça. C'est la merde. Hein. Puis nous, on est bah, tous morts. Il n'y a plus que Balafré qui est en jeu. Raynor qui sort maintenant. Ici, bah, il y a notre idole qui est en train de prendre cher. Et ça, c'est notre Balafré qui continue tout seul avec des mercenaires à pousser la ligne du haut. Il s'est dit, tant pis, on s'en fout. Et c'est déjà fini. Ah non, je crois que c'est une phase du combat entre les deux, je sais pas, on peut pas interagir avec. Et puis là, il y a... Alors là, ouais, bon, Raynor, il se balance dessus à 3 contre 1, tranquille. Moyen, moyen utile. Voilà, je suis toujours là derrière, je balance mes petits serviteurs pour ce que ça sert là maintenant, mais au moins ça va les occuper un poil. Je peux pas faire grand-chose tout seul, je vais pas faire comme Raynor et puis me balancer dans le time, faire défoncer. J'attends que les autres arrivent. Simplement, il y en a 3 qui sont morts. Et puis il y a un autre qui est en train d'avancer tout seul là-bas en haut. Ah non, c'est bon, c'est fini, c'est mort. Alors, je défends comme je peux l'objectif, mais là, ils sont trois. Il va mourir, voilà, il y a les trois qui arrivent. Ouh là là, la contre-attaque de la mort, est-ce qu'ils vont le buter ou ils l'ont... Non, ils l'ont buté, là, je lui envoie un rayon de la mort qui le bute. Je me suis fait Muradin, ça lui fera plaisir, spécial dédicace. Ok, voilà, c'est la troisième fois qu'ils nous mettent dessus avec cette saloperie de héros. On l'a chopé une fois, hein, in extremis, mais on a vraiment pas bien fait l'objectif, il va apparaître ici. Ticus s'est déjà mis au chaud, tranquille, il l'attend pour défoncer notre dernier temple. Vous voyez, ça c'est les munitions au passage du temple. Moi j'arrive comme un gland, là derrière. Il y a des petits messages de défense qui pop à gauche à droite. Ça c'est aussi un truc que j'ai vu dans les MOBA, c'est vrai qu'on peut juste envoyer des messages de défense, même pas besoin d'être en communication. Bon, c'est plus sympa si on est avec des potes. D'ailleurs, j'espère que je pourrais faire des parties avec le Dim et compagnie, avec Shannon, on en a fait 2-3, mais qu'est-ce qu'on a mangé cher. Oh là là, on est mauvais, mauvais, mauvais. Hein. S'il y a des gens qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas. Bon, là, on arrive à contenir leur super héros, tant bien que faire se peut. On est... Bah non, on le fait plutôt bien, on a retenu les 3. Et là, il y a les 3 salopards qui sont là. Ah là là, comment il s'appelle Marcos là? Marcos, c'est qui celui-ci? C'est un mec de Warcraft. J'ai jamais joué à Warcraft, enfin World of Warcraft, donc je saurais vous dire. Excusez-moi. Ah, ça fait tchatcher le commentaire de MOBA. Oh là là, putain. Mais je trouve que c'est assez marrant là. On jouait pas trop mal ensemble, on est les 4 là. Contre 2, là il ferait mieux de se casser. Il y a le Muradin avec... Ouh, gain de niveau, ils ont pris 22 encore. Là on les course. Excusez-moi, je suis pas un très bon caméraman, là j'hésite entre zapper entre la minimap et là, mais ça fait un peu bouger. Voilà, ça c'est bien fait pour la Sonia. Un petit coup de canon là. Ah, ils sont déjà tous morts, c'est trop tard. Ah, je me connais, je sais que je fais ça à chaque fois. Là, il y a Ticus qui est tout seul, on pousse bien là. Ils ont plus qu'un seul fort, nous on a deux forts.
Même s'ils ont un niveau d'avance, c'est relativement serré. Il y en a deux chez eux qui sont en train de rip-up et nous également. Ça s'est rééquilibré, puis on est en phase d'attaque. Là, c'est mes serviteurs qui sont de plus en plus méchants. Ils tiennent longtemps maintenant. Et là, je balance. Et on a réussi à leur faire le fort. Je pense, sans vouloir monter, grâce à mon super rayon de la mort. Par contre, casse-toi là. Ouh là là, là, il est mort. Ouais, il balance son ultime. Mais à quoi bon? À quoi bon? Parce que de toute manière, les mecs, ils vont se régénérer. Lui, il a perdu une occasion de s'échapper. Voilà, moi j'essaie de ralentir leur avancée. Il y a mon ami Muradin là qui m'en veut encore beaucoup. Casse-toi mon gars, casse-toi. Oh, j'ai pas de renfort qui arrive. Je suis bien étourdi. Là, j'ai un de mes serviteurs qui essaye de me... Voilà, il essaye de mettre sa monture. Ah ouais, il m'en veut le mec. Hein. Faut dire que je l'ai niqué juste avant. Et voilà. Voilà, je rebalance des serviteurs droit derrière dès qu'il a le dos tourné. Pour réavancer, il y a les lignes qui se refont. Et ah, il y a de nouveau nos serviteurs qui sont là. Et là, il y a notre Muradin en forme d'avatar qui est en train de taper dans l'or, mais ils sont déjà à deux. Oula, il va mourir. Voilà. Bon, en attendant, là, il y en a le balafré qui essaye de se prendre des mercenaires. Je crois que les mercenaires, ils vont pas se mettre à jouer contre eux là-bas. Moi je suis là en train de pousser la ligne en bas contre Muradin qui se casse et je pense qu'il va rejoindre ses amis, il a raison, pour essayer de se faire encore une dernière fois, je sais pas d'ailleurs, le héros, bah voilà, ils sont de nouveau deux ou trois dessus. Cette fois il y a Notsonia qui est là, il y a derrière ici Raynor qui arrive, mais ils sont trois entamés quand même, il faut bien le dire. Là, je pense qu'ils vont changer de zone, c'est ça, tous les je sais pas combien. Voilà, ça s'intervertit, histoire de rendre le combat plus dynamique. Mais alors lui, Raynor, il aime bien se foutre dans la merde pour pas un bal. Hein. Mais casse-toi, arrête de... Ah, alors ça, c'est... J'ai appris le terme, c'est feeder l'ennemi. On les feed, on leur donne des morts faciles. Voilà, et eux, ils sont tous là. Nous, bah, voilà, on en a trois qui sont out, enfin deux maintenant. Ah bah par contre là, ah bah tiens, il y a Sonia qui est en train de taper dans leur idole, donc ça devrait les énerver un peu, hein, parce qu'ils feraient mieux d'aller défendre, mais ils disent on s'en fout, on tape là, là il y a juste Ticus qui est revenu, c'est juste nos lignes plus Sonia qui sont en train de taper là-dedans, 66% leur idole, nous on est à 100% avec deux forts en défense. Hein, par contre, là, Muradin, casse-toi. Muradin et Sonia, ils sont les deux là. Moi, je suis toujours mort. J'en ai pour 50 secondes. Je viens de mourir. Je sais pas ce que j'ai fait. J'en souviens plus. J'ai même pas eu le temps d'aller voir. Mais on est à 62. Là, on les a acculés sur leur camp. Pendant ce temps, voilà, il y a Raynor qui revient. Et dans. Ah merde, il y a eu un mort ici. Eux, ils en ont un qui va revenir. Ils sont bientôt full team. Et il y a leur putain de saloperie de héros qui est en train d'avancer vers notre avant-dernier fort de la ligne du haut. Alors il lui balance son ulti. Là il a du bouclier encore. Là, oh là là. Il y a les autres qui sont en train de revenir. Nous on est plus que deux dans l'équipe et il faut 40 secondes encore pour qu'on soit full. Les signaux qui pop là pour défendre. La partie se termine dans 3 minutes 30. Aïe. Ouais. Il y a notre idole qui va bientôt prendre aussi. Il avance vers l'idole. Le balafré qui défend. Moi j'arrive, je suis là. Et c'est bon, il est mort. Ils sont les 4 ici. Voilà le balafré qui rattrape Sonia. Notre ami de Warcraft dont j'ai toujours pas retrouvé le prénom. C'est méchant, moi là je suis tout seul là derrière. Mais il y a tout le monde qui arrive là maintenant. Ouh, ouais. Bon là on a toute notre mana. Aussi ils en ont pas mal. Mais il y en a deux qui sont quasiment morts. Un qui est mort. Faut éviter l'hyperion de Raynor là maintenant. Ok, 53 victimes de l'autre côté et 26 victimes d'une autre. Les mecs ils en ont deux fois plus. Deux fois plus, mais on maintient toujours un niveau d'écart. Et puis, ils n'ont plus aucune défense en face. Si on arrive à pousser comme il faut, on peut aller dans leur camp et puis juste les niquer au dernier moment. Là, ils essayent de nous retenir. Allez, moi, je vais derrière. Je sais pas ce que je fous. Je balance des serviteurs en plus.
Ah là, j'ai réussi à lui balancer un coup de canon au bon endroit. Je me recule, ça sert à rien, je suis pas bon au contact. Ils sont que deux ici. Voilà, il y a nos creeps qui y vont. Alors, eux, il en a pour une minute, Muradin. Et puis nous, on en a pour 20 secondes. Pour être full complètement, ça va être le moment de pousser, là. Ah là, il y a Muradin qui arrive dans le tas. Là, il y a Raynor qui est tout seul en train de... Pardon, excusez-moi, de pousser. Bon. Ici, on est 3. On n'a pas beaucoup de creeps avec nous. Alors, on balance les montures pour aller rapidement contourner par le haut pour aller jusqu'à Lidl. En tout cas, c'est ce que je voulais faire, je m'en souviens. Et puis, il y a de nouveau les idoles qui apparaissent. Donc là, ils sont en train de... Oups, là, pardon, excusez-moi, essayer de prendre des mercenaires. Pendant ce temps, moi, j'arrive à Lidl. Voilà, je balance mes serviteurs sur Lidl, histoire de gagner un peu de temps. Il y a Raynor qui arrive, qui balance son ulti. Il y a Lidl qui est en train de prendre, en tout cas au niveau de son bouclier. On l'a presque mis à zéro. Il y a Tychus qui essaye de défendre, mais il est tout seul. Les autres qui arrivent là maintenant. Lidl à 9%, 6%, 3%. Voilà, toujours en train de taper dedans. Et voilà, et voilà, et voilà. On avait deux fois moins de victimes. Quasiment un niveau en moins. Et puis, on les a eus. Donc voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une partie. Je voulais pas faire une vidéo tout de suite, mais cette partie, je l'ai trouvée vraiment excellente. Je voulais vous la commenter sur ce mode-là. Donc vous voyez, il y a pas mal de rebondissements. C'est pas parce que vous avez buté le plus de gens que c'est le mieux. L'esprit d'équipe, le fait de se coordonner, de connaître un petit peu qui fait quoi. Alors loin de moi de l'idée de vous dire que je connais tout, mais j'ai déjà quelques heures au compteur et puis je commence à entrevoir un petit peu les tactiques. Alors j'espère que ça vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos sur le jeu qui suivront. Si vous êtes motivé pour qu'on fasse des parties ensemble, bah vous savez où me trouver. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, etc. C'était DRK36, à très bientôt, ciao.